peux me raconter un moment charnière de ta vie qui t'a profondément transformé? C'est l'année 1968. L'année 1968, c'est celle où tout s'est passé. C'était mon premier poste d'enseignant. J'ai pas terminé l'année, j'étais en grève en mai. Mai, juin, je n'ai pas fait l'école, j'étais en grève, j'étais à Montpellier dans les manifestations. C'est l'année où j'ai fait un enfant. Pendant les grèves. C'est l'année où je me suis fiancé. La semaine d'après, je me mariais. 2 mois après, je partais faire l'armée. Là, en 6 mois, tout a basculé. 21 ans. J'avais 21 ans, tout a basculé. Et c'est là aussi où je suis parti à l'hosto militaire avec une hépatite. Et j'ai passé 69 à l'hôpital Lavrin à Marseille, hôpital militaire, et j'ai été père en mars. C'est la charnière. Tu parlais des moments de mai 68, etc., qui est un moment plutôt d'ouverture. Et finalement, tu nous dis que c'est le moment où tu es rentré dans une vie familiale et en plus tu es parti à l'armée. Donc tu le vois de façon positive ou. Négative. Non, tout s'est refermé, je suis rentré dans le rang. Dans le rang, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas à l'école. Et si. Oui, je suis rentré dans la vie. Je suis rentré dans la vie à ce moment-là. Dans la vraie vie. Jusqu'à là, c'était. Alors, 68 a servi de. Les grèves de 68 ont servi de. Ont servi de bascule ou de passage, de barrière, de petit pont, où c'était la totale liberté au fait de rentrer dans le rang et de faire ce qu'en définitive sur les choses sur lesquelles j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à tout ça. Oui, j'étais pas prêt à tout ça.